Alors évidemment. Bonjour à tous. Je vous promets, j'étais en train de m'installer pour une vidéo qui est normalement celle-ci, mais que je vais pas faire finalement parce que j'allais vraiment lancer le tournage et il y a eu un article de Spion qui présente un jeu japonais qui m'a fait beaucoup trop rire. Je l'ai testé une minute et je me suis dit, faut le tester en vidéo, ce sera très marrant. Tac. Le jeu s'appelle, je sais pas parce que c'est japonais, Yasuhachi. Le jeu où il faut chuchoter et crier pour faire avancer son personnage. Donc c'est très simple. C'est un jeu de plateforme classique, hein. Mario, mais sans les graphistes de Mario. Sans graphiste du tout d'ailleurs. Et en gros, c'est en faisant du bruit qu'on fait avancer le personnage. Le truc, c'est que c'est pas en parlant vraiment. En parlant, il avance très très peu. Vous voyez, en parlant, il avance pas vraiment beaucoup. Il est très très timide. Il n'a fait que deux pas. Alors qu'en criant, il va être beaucoup plus rapide. Donc là, il va falloir que je fasse un très grand cri pour sauter ce premier obstacle. C'est parti, messieurs, dames. Wouh! C'est un jeu qui est ridicule, attention. Très bien posé. Attention, je vais essayer de faire un saut. Les cris masculins ne donnent rien. C'est que aigu en fait. Les cris aigus, ça marche. Là, quand je parle. Le Brésil est plutôt simple personnage. Non, non, ne tombe pas. Non. Le problème, c'est que je peux pas crier s'il tombe, puisque si jamais il tombe. C'est pas très agréable pour vous, mais moi ça me fait rire. Faut des cris à répétition et aigus. Ah si, je sais. Oh shit! Non, ça n'a pas fait grand chose. Ah si, c'est que le cri humain. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc ça fonctionne pas avec les bruits qui sont pas humains. Ça fonctionne pas avec les cris humains, mais qui sortent d'une enceinte. Donc il y a vraiment sur ce jeu que la voix humaine qui peut faire le travail. Donc je vais essayer de faire mon meilleur score. Je me concentre, je suis très sérieux. Petite pause. Je suis en sueur. 334 quand même, j'ai plus de voix. Quelqu'un m'a essayé pour la vidéo ou pas? Viens, viens. En fait, on a des voisins qui... Ouais, viens là-bas. Les voisins, ils vont se dire, les trois mecs là, ils sont complètement... J'étais en train de regarder ça, mais non, monsieur, rien, t'inquiète, ça va. Ma YouTube, s'il voit ça, il est parti. Promis YouTube, ça. Il y en a un coup de bœuf, hein. Non, je crois qu'on va faire... j'ai fini le test, hein. Merci Augustin, ce test. J'ai plus de gorge. Voilà, j'avoue, j'étais parti sur une vidéo un peu plus intelligente que ça. Mais quand j'ai découvert ce jeu, ça a vrillé. Donc, n'hésitez pas à tester le jeu. Demain, je suis pas sûr d'avoir encore de la voix pour vous faire une vidéo. Ce sera peut-être une vidéo muette. Vous pouvez regarder la vidéo précédente qui comporte un peu moins de bruit. J'avoue. Et donc, cliquez sur ce petit bouton rond pour vous abonner. Ça marche aussi sur téléphone portable. Dans l'attente, je vous dis... Merci.